It's that Zep, Stoop, Bo, no, she my flow. Yeah, yeah, yeah. Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. On se retrouve pour une vidéo de Farming HDV11. Je vais vous raconter un peu, ça fait pratiquement 40 minutes que je tourne une vidéo, que je vous parlais, que je vous disais voici la nouvelle vidéo, je vous parlais de la nouvelle mise à jour, etc. Pour me rendre compte après 40 minutes que ça n'enregistrait pas. Donc j'ai perdu mon temps pendant 40 minutes, mais là, je veux pas tout perdre. Ça fait... Dans le fond, le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être le Farming HDV11. Ce compte est un compte HDV11 qui est en train de se maxer. Et là, mon défi, c'était d'utiliser une potion d'entraînement pendant une heure et de voir combien de ressources que je pouvais aller chercher. Donc, si on regarde dans mon journal d'attaque, j'ai commencé, en fait, il y a environ 41 minutes. J'ai fait 10 attaques pour le moment. Et dans le fond, je farm au mineur. J'ai une potion d'entraînement en cours. Et on va vraiment chercher le plus de ressources. J'ai commencé la séance avec, laissez-moi voir dans mes notes, j'avais 2,9 millions d'or, 1,9 million d'élixir, 187 murs à faire. Et donc là, dans le fond, le but est de savoir, je vais pouvoir faire combien d'attaques durant l'heure de, dans le fond, de formation, pendant l'accélération, et je vais pouvoir aller chercher combien de ressources. Donc là, vous pouvez voir, il reste 14 minutes. On va passer les 14 dernières minutes ensemble. Donc, c'est parti les amis. Est-ce qu'il y a un aigle artilleur quelque part? Il n'y a pas d'aigle artilleur. Faut juste faire attention un petit peu au TDE. On va envoyer la reine ici. On va envoyer plusieurs mineurs. Donc là, malheureusement, la reine a été prise en focus par la TDE, donc j'ai dû utiliser son pouvoir, c'est pas grave. Je pense que j'utiliserai pas le roi, le restant de la ville va se faire aisément. On va utiliser un premier sort de soin. On a le piège tornade qui a ouvert en haut de la ville, mais les mineurs ne sont pas affectés du tout par les pièges tornades. Bon, et voilà, je pense que là, on va utiliser le pouvoir et ça devrait le faire. Donc, je vous ai pas montré encore, mais j'ai... Regardez, on va focusser ici. Regardez, j'ai le nouveau pouvoir, le nouveau skin. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous trouvez stylé le skin Roi Gladiateur? Pour ma part, au début, j'étais pas un grand fan. Je trouve que c'est pas nécessairement le plus beau des skins, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, ils vont s'améliorer. Et on va pouvoir avoir des skins de l'enfer. Donc, je le trouve quand même assez beau. Il nous reste un peu d'élixir à aller chercher. On va attendre d'aller chercher. On va utiliser le pouvoir du roi. Et voilà, on peut arrêter l'attaque. Quand on est allé chercher toutes les ressources, moi, j'arrête l'attaque. Donc, c'était notre 11e attaque de ma séance. Même si avec vous, c'est la première. On repart des troupes. J'ai deux archers de trop. On va enlever ça. On demande du renfort. Donc, c'est bon. Dans 50 secondes, on va être prêt pour la prochaine attaque. On va aller avec mon compte principal sur le PC. Je peux me donner du renfort. Donc, je me suis donné du renfort. Et voilà. Donc, on va être prêt dans 33 secondes. Je voulais vous parler de la prochaine grande mise à jour. Elle devrait arriver vers la fin de du mois de juin environ. Je vous dirais que ça va être probablement la mise à jour du mois de juin. J'ai écouté une entrevue que Darian, le community manager de Supercell, a accordée à Galadon. Vous pourriez aller voir la chaîne de Galadon pour l'entrevue complète. Je vais vous la résumer. Dans le fond, ce qui a été annoncé, c'est que la prochaine mise à jour... ça serait celle du MDO9 et du projet Blue Sky. Donc, le projet Blue Sky va apparaître. Donc, attendez-vous que quand vous allez atteindre la ligne légende, ça va être complètement un nouveau système. Ça sera plus... il n'y aura plus de bouclier comme vous connaissez maintenant. Il n'y aura plus de temps de protection. Ça va être quelque chose de complètement nouveau. Il y a même été question de peut-être limiter le nombre d'attaques qu'on peut faire par jour. Peut-être qu'ils vont faire un système du genre
tu te fais attaquer 10 fois, tu attaques 10 fois, et au bout de la journée, wow, regardez les ressources, les amis, petite pause, excellent, on va aller chercher ça. Donc, peut-être qu'ils vont faire un système, par exemple, que t'as pas de bouclier, tu te fais attaquer 20 fois, et toi, tu peux aller attaquer 20 fois, et au bout de la journée, celui, tu peux monter ou descendre en TR, quelque chose comme ça. On n'est pas encore certain de ça va être quoi le nouveau système, mais on a bien hâte, parce que moi, personnellement, je suis allé une seule fois en légende, et vraiment, c'est inacceptable de passer des heures et des heures et des heures dans les nuages, sans trouver de base. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, que ça leur dérange pas. Ils laissent leur téléphone traîner, puis dans le fond, ils font autre chose, puis quand l'attaque est disponible, dans le fond, ils attaquent. Mais moi, vraiment, je trouve ça totalement inacceptable pour un jeu de demander à ses joueurs d'attendre extrêmement longtemps. Donc là, les amis, on va devoir faire un premier mur, parce qu'on peut voir, regardez les ressources, ils sont pratiquement remplis, mais dans le fond, mes ressources d'or sont pratiquement remplies. Donc, on va améliorer un premier mur. Dès que cette attaque-là est terminée. Et voilà. Et on a pratiquement atteint la limite de nos réserves. Donc, on va améliorer un premier mur ensemble. On va pas toutes les améliorer. On va regarder. Il reste combien de temps à la séance? Il reste 9 minutes ensemble. Donc, on va préparer la prochaine attaque. Donc, on va être prêt dans 3 minutes. Concernant le village des ouvriers, ce que Darian a dit, juste me noter, les amis, je viens de faire une attaque. 14h12, c'était la 12e attaque. Je me note aussi, j'ai fait combien d'attaques, parce que malheureusement, dans notre journal, on ne peut pas voir autant d'attaques. Comme là, si on regarde, je pense qu'on en voit seulement, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, c'est ça, on voit les 10 dernières attaques, mais vous voyez dans ma séance de farm, je suis déjà rendu à 12 attaques, donc on ne peut pas voir toutes les attaques. Je pense que c'était pas notre record, cette attaque-là. Attends, 846, 807, je pense que j'en ai fait une autre. Ah oui, ici, en élixir noir, ici, il y en avait plus, mais au niveau de l'or et de l'élixir, pour l'instant, c'est cette attaque que j'ai fait avec vous. Vous m'avez porté chance, les amis. On a 846 000 or, 807 élixir. C'est excellent. Donc, il nous reste combien de temps? 2 minutes environ. On va aller parler un petit peu d'MDO. Ce qu'on peut s'attendre pour MDO, dans le fond, c'est qu'il va sortir le MDO 9. Dans le MDO 9, il va y avoir une nouvelle défense spéciale. Et il va y avoir aussi une nouvelle troupe. Donc, ils n'ont pas encore arrêté. Ça serait quoi la nouvelle défense, la nouvelle troupe? Ils ont dit qu'il y en avait plusieurs en essai. Aussi, on ne peut pas s'attendre à avoir seulement le MDO 9. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va inciter les joueurs à jouer. Il a dit tout de suite que ce ne serait pas une guerre de clans, mais ce serait peut-être un système compétitif pour aider les joueurs à aimer la MDO. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, parce que moi, pour l'instant... la seule raison pourquoi je joue à MDO, c'est quand que on doit faire, par exemple, dans la passe de saison, on doit faire nos défis du jour. Quand il y a des défis MDO, ben, j'ai pas le choix de les faire, mais sinon, je les fais pas. Donc là, est-ce qu'on est prêt? Dans 10 secondes, on est prêt pour la 13e attaque. On va aller faire ça. Il va rester 7 minutes à notre potion. On va peut-être avoir le temps de faire quoi? 2 autres attaques environ. Donc, on va faire environ 14-15 attaques dans notre séance de farm. Donc, là, je pense que c'est terminé. Et oui, on va voir si vous me portez chance encore. On aimerait avoir au minimum du 500 000. Ce que j'aime pas d'attaquer une ville comme ça, c'est qu'elle est vraiment toute active. Donc, si je l'attaque, il va vraiment falloir que je dépense tout. Dans le fond, mais regardez. Je pense que je vais le faire pour cette fois-ci. Donc, et voilà, je dépose. Je vais vraiment mettre toute la gomme. Là, ça serait... S'il n'y a pas de renfort, on peut tripler. S'il y a du renfort, on peut carrément pas tripler. Donc, on utilise les deux premiers soins. Il y a du renfort, les amis. On va espérer la plus belle attaque possible, mais je vous dis tout de suite, ça sera pas un 3 étoiles.
avec un ballon et un électro. En tout cas, à moins que je me trompe, là, ça m'étonnerait beaucoup qu'on réussisse à faire un 3 étoiles. Mais on sait jamais, je vous dis ça, mais je trouve que les troupes ils progressent bien. L'électro-drag est quand même très lent. Baboum les amis, je pense que vous me portez vraiment chance malgré un électro-drag en renfort. On va faire, je pense, le 3 étoiles. Il reste vraiment trop de troupes. Baboum! Et voilà, 3 étoiles. Vous pouvez voir qu'un électro-drag contre des mineurs, c'est pas le meilleur des renforts. Donc, j'ai préparé toutes mes troupes. Là, malheureusement, ça va être encore dans à peu près... Ça, c'est un petit bug, je trouve, du jeu. Quand on utilise une potion d'entraînement, vers la fin de la potion d'entraînement, le système commence à afficher des mauvaises choses. Comme là, il nous dit que c'est dans 6 minutes qu'on va être prêt pour la prochaine attaque. Mais ce n'est pas vrai, les amis. Puis ça arrive seulement quand on est proche de la fin de la potion d'entraînement. On peut voir qu'il reste 8 minutes en temps normal. Donc, accélérer x4, c'est environ 2 minutes. Et dans 2 minutes, les troupes vont être prêtes. Donc, je ne sais pas pourquoi que le système fait ça. Même chose pour la reine, c'est pas vrai qu'il reste 11 minutes. Si on va voir la reine, par exemple, elle est où la reine? Il reste 14 minutes. Si on divise par 4, ça va être dans 3-4 minutes qu'elle va être prête. Donc, en attendant la prochaine... Ben, ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est commencer à se faire d'autres murs. Regardez bien. On va aller se faire... J'ai déplacé une cabane pour rien. Je pense pas que ça change grand chose, mais... On va aller faire un mur avec notre élixir. On va aller en faire un deuxième avec de l'or. Puis vous savez quoi? On va aller en faire même un troisième avec de l'or. Donc on vient de faire 3 autres murs. Donc, depuis que j'étais avec vous, on est allé chercher 4 autres murs, dans le fond. Donc, on est allé chercher 4 fois... Là, je suis sur mon PC en ce moment pour faire des calculs à la fin. Donc, on est allé chercher 4 murs à 3 200 000, ce qui nous fait 1,28 million. Pas million, millions. Attendez. Ça fait 12,8 millions plutôt, excusez-moi. Là. J'avais pas les bonnes séparations sur mon PC. Donc, on va voir à la fin qu'est-ce qu'on a comme ressources. On est presque prêt pour la prochaine attaque. Vous voyez, je vous disais, ça prendra pas autant de temps qu'ils le disent. Je pense qu'on n'attendra pas la reine. Par contre, on va attendre de pouvoir faire une demande de renfort, je pense. Ah, vous savez quoi? Je pense qu'on va attaquer sans la demande de renfort. Dites-moi, les amis, vous, est-ce que vous avez eu la passe de saison? Laissez-moi-le dans les commentaires. Moi, je l'ai obtenu lundi, dès que les défis sont apparus. Je les ai complétés et j'ai pu l'obtenir. Les défis de la semaine courante n'étaient pas très difficiles à débloquer, donc ça a été super. Donc là, on peut prendre notre temps. De toute façon, la prochaine armée ne sera pas prête avant environ 3 minutes. Bon, une ville morte qui propose quand même environ 900 000. On peut pas dire non à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout balancer à l'exception du roi. Je pense que le roi, on ne l'utilisera pas. On va utiliser le pouvoir du grand gardien déjà. Ce qui avait été focus par une tour d'archer. Idéalement, j'aime ça. Garder mon grand gardien pour la prochaine attaque. Donc là, je tente d'économiser mes sorts. Je tente d'en utiliser le moins possible. Je pense que j'ai peut-être utilisé un sort de soin pour rien. Il y avait seulement 2 mineurs, genre. Bon, je pense que ça sera pas un problème. Au pire, on a le roi qu'on peut déposer. Si jamais à la fin, on voit qu'il nous manque un petit peu de puissance, on va pouvoir utiliser le roi. Mais je pense bien que ce sera pas nécessaire. La raison pour laquelle j'utilise pas toutes mes sorts, c'est pas tant pour économiser de l'élixir, c'est surtout pour pouvoir faire la prochaine attaque le plus rapidement possible. Donc là,
Il nous manque seulement les deux mines d'or. On va aller les chercher avec notre beau roi gladiateur. Qu'est-ce que vous en pensez du roi gladiateur, les amis? Je le trouve quand même assez stylé. Au début, j'étais pas sûr. Mais là, finalement, je l'aime bien. Et voilà, on est allé chercher toutes les ressources. C'était notre 14e attaque, les amis. L'accélération, il reste une minute. Je pense qu'on n'aura même pas le temps de faire une autre attaque. En fait, non, on n'aura pas le temps de faire une autre attaque. Donc, la séance de farm se termine présentement. Donc, et voilà, les amis, on a commencé la séance avec 2,9 millions d'or, 1,9 million d'élixirs. On l'a fini avec environ 1,5 million d'or, 3 millions d'élixirs. Mais on est allé chercher 4 murs à 3,2 millions. Donc, si on fait le calcul total, dans la séance de farm d'une heure, on est allé chercher 13 millions d'or ou élixirs. Donc, c'est quand même pas mal, 13 millions d'or ou d'élixir en une heure avec une potion d'entraînement. Ça nous a permis d'aller chercher 4 murs. Peut-être que je ferai le test dans une autre vidéo avec des gobelins. Est-ce que j'aurais été capable d'aller chercher encore plus d'or élixir avec une heure d'entraînement aux gobelins? Est-ce qu'on peut battre 13 millions? Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre record en une heure? Faites le test, chronométrez-vous et attendez de voir combien d'or élixir on peut aller chercher en une heure. Pour ma part, j'ai atteint 13 millions d'or élixir en une heure. Donc, c'est sûr que les récompenses, les avantages de la passe m'ont aidé parce qu'il y a un boost de formation de 20%. Donc, dans le fond, toutes nos armées sont 20% plus rapides. Ça nous aide à farmer 20% plus rapidement. Donc, c'est super. Et voilà, c'était mon défi, les amis. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve bientôt pour un autre Clash avec Simon.